Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle ne nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes, c'est plus près que Caracas, est-ce plus loin que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, elle était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne m'était pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour, quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. On peut en le Maine-et-Loire s'offrir de beaux seins en poire. Il y a un institut d'Angers qui opère sans danger. Des plus jeunes aux plus âgés, on peut presque tout songer. Excepté ce qu'on peut pas, quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Davantage, davantage, avantage, davantage, lui dis-je quand elle revint avec ses seins angevins, 2 × 10. Permets donc que je lutine cette poitrine angevine. Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré. Je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, avanie et mamelle sont les framboises du destin.